Comment dire, cette rencontre n'était pas vraiment prévue. Je suis en train d'entraîner Duchesse pour le prochain épisode et bien sûr sur quoi je tombe. Entei sauvage, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Donc bon, c'est pas grave. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. Eh mais sérieusement, c'est une blague, c'est déjà la deuxième fois que je tombe sur Entei, mais arrêtez, bon je le bluffe. Voilà. Ah mon dieu. Deuxième fois que je rencontre Entei en entraînant Miaouss, c'est génial, hein. Oh, et les gens, alors après avoir rencontré deux fois Entei en entraînant mon Miaouss, il a évolué en Persian. Voilà, non, on peut lui prendre l'objet, parce que si on essaie de lui prendre, il va pas être content. Alors, Persian, du coup, je suis en accéléré. Non, je suis plus en accéléré. Persian, donc Duchesse, vu que c'est une femelle, a le talent échauffement, du coup il ne peut pas être paralysé, il a bluff, météore provoque et feinte, c'est bien parce que bluff ça tape en premier, c'est plutôt cool, et provoque c'est pratique, alors, oh putain, c'est moi où je vois, on voit à travers en fait, je vois les plateformes. Bon alors, fin, tu devrais faire mal. Ah oui. Peut-être un peu... Non, c'est le bon son, ok, d'accord. Fantomini. D'accord, donc c'est bien une arène de type spectre. C'est pas poison. Après, quoique, s'ils ont... Oui, bah je sais pas. Oui, non, c'est spectre, hein, parce qu'avoir que les Fantominus, puis c'est une exorciste, alors... Ce que ça aurait pu être poison, parce que je rappelle que Fantominus a le type poison, donc on sait jamais. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Je vais pouvoir entraîner mon Persian tranquillement. Parce que c'est vrai, je commence à galérer à entraîner mes Pokémon, puisque je rencontre des Pokémon niveau 20, et enfin entre 24 et 27, et le problème c'est que ça donne pas des masses, parce que comme. Ouais, on voit bien les trucs en fait. Comme Persian avait pas grand chose pour taper certains Pokémon, j'étais obligé de switch, du coup il gagnait pas grand chose comme XP. Ouh, niveau 20. Je pense pas que ça le tue, mais au moins. Ah si. Ah, d'accord, ça le tue. Et ben, d'accord. Et ben, t'as une bonne attaque alors. Persian. Hop. 540, passe au niveau 29. Bon, il a pris Météor, mais Météor, c'est. Je sais pas. En tout cas, je vais garder Bluff et. Je vais faire les dresseurs et puis j'irai me soigner avant le champion. Je vais garder Provoque et Bluff, ça c'est sûr. Feinte, je sais pas. Peut-être que si j'apprends Mach ou Morsure, je changerai. Et Combo Griffe, je l'enlèverai. Parce qu'il vient de se suicider là. on aura tout vu, le Pokémon il a préféré mourir. Bon, je peux vous dire que de voir les plateformes c'est pratique parce que sinon c'est chiant. Hop, Fantominus. Ce qui est bien c'est que comme ils sont niveau 23 et tout, ça fait de... ça donne 500 d'XP à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Champion, il va avoir quoi? Il va avoir Feu Faux Rêve. Ah, il va sûrement avoir. Comment il s'appelle? Terraclope. Parce que je rappelle qu'il y a les Pokémon de la 4G aussi. Donc il va avoir. Donc il risque d'avoir tous les Pokémon de Spectre de la première à la 4G. Donc, premier, il y a Spectrum, Ectoplasma, Fantominus, et c'est tout. Il va y avoir Feu Faux Rêve. Bon, je vais me soigner. Maman, tiens, elle doit sûrement. J'ai été faire les courses, blablabla. J'ai acheté quelque chose. Hop, le shop. Et là, qu'est-ce qu'elle a pris? Ben, yap, yap. C'est bien ça, je crois. Je crois que c'est celle qui rend de la vie.
celle qu'on met sur... c'est ça, je crois. J'ai confondu avec la baie papaye qui, elle, rend la vie et peut rendre confus. Pokémon n'aime pas... aime pas en fait le type de baie, n'aime pas le goût amer. Bon, j'ai bien fait d'aller me soigner, c'est Mortimer. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ma défaite? Comme d'hab, à chaque fois que je vais dans une arène au début, c'est une défaite forcément. Ah putain, oh bien sûr. Bon, alors faut que je le provoque. Attendez, je me suis pas soigné. Merde, je me suis pas soigné. Con. Putain, je rappelle que ce Pokémon n'a qu'une seule faiblesse, le type fée. Faudrait que je fasse un coup critique. Non. Hop. Voilà pourquoi. En plus, il a forcément farceur, ce Pokémon. Au revoir. Bon. Allez, tu m'as saoulé, tu vas te prendre un ébouillage dans la gueule. Je pense pas que tu apprécies. Au revoir. Feu Forêve. En fait, je crois que Spam et Bully Lab va être une très bonne option. Ouh, la tenue. Bon, le méchant. Ça devrait tuer. Faut vraiment que, quand je pourrais, faudra que je m'achète des objets stratégiques. Ouh, y'a Baudrive. J'avais complètement oublié que ce Pokémon existait déjà. Oh. Oh non. Oh non, pas Lilliput. Oh non. Quoi? Pourquoi il est orbe flamme? What the fuck? Pourquoi t'es orbe flamme, toi? Dommage que j'ai pas l'arcin. Hein. Vraiment, hein. Je vous rappelle que Spectrum a lévitation. Oh, je l'ai brûlé. Dommage. A mon avis, ça aurait été clonage, hypnose dévorev. À tous les coups, ça doit être une connerie comme ça. Oh, Polichon, il tire la langue. En fait, j'ai rien dit. Hein. Je vais sûrement détruire cette arène du premier coup. Parce que j'ai trop entraîné mes Pokémon, du coup. Ah, il a pas... Oh, merde. Non, mais... Il a lévitation ou pas, ce Pokémon? Oui. J'étais pas sûr, hein, parce qu'ils ont pas forcément... Putain, ça m'a fait rien. Mon dieu. Entrave. Ah, Ébulliève n'est plus sous entrave. Au revoir. Voilà. Voilà qui est bien, mon dieu. Voilà, toi, blablabla. Qu'est-ce qu'il me donne comme attaque, comme il me donne ballon? Je pense pas que ce soit ballon quand même, parce que ah bah si, ou bah si, ballon. C'est très fort ballon. Je peux pas tomber là. D'accord. Bon, alors par contre, j'ai toujours pas de Pokémon qui apprend surf. Merde, il y a quelqu'un qui m'appelait. Je crois que même dans tous mes Pokémon, là, il n'y en a aucun qui apprend surf. Non, il n'y a aucun qui peut prendre... Je vais peut-être lui prendre l'objet, hein. Voilà. C'est quand même l'Evolurock. L'Evolurock, c'est pratique. Même si je peux le mettre à personne dans ma team, vu que c'est déjà évolué. Voilà, on va soigner. Bon, j'ai battu l'arène du premier coup. Je crois que c'est la première arène que je bats du premier coup. Hein. Alors par contre, faut vraiment, mais absolument, que je capture un Pokémon du type O. Ah mon dieu. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève un Pokémon dans ma team. Je
pense que malheureusement je risque d'enlever Ratatak parce que j'ai déjà Persian. Je vais lancer les dés et je verrai qui soit Persian. Soit. critique mon dieu. Soit Persian, soit Ratatak. Dodio encore. Merde, j'ai refait bluff, je suis con. Météore. Par les météores de Persian. Ça fait mal. Un coup critique, oui, bon, en même temps, si je fais un coup critique, oui, ça fait mal. Encore, mais cet homme n'a que des audio. Non, je vais pas. Pourquoi ce n'est pas très efficace? Attendez, j'ai raté un truc là. J'ai raté quelque chose. Ah, mais il a le tir. Ah, d'accord. Ah, bah en fait, c'est tout du, hein. Ratatak va jarter. J'avais pas vu, il a le type ténèbres. Mais putain, il est pété. Il a un double talent unique dans cette génération. Vu, double talent, un double type. Exclusif. Enfin, pas exclusif, mais qui n'existe pas en 4G. Parce que les seuls à avoir ce double type. Oh, je vais pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Les seuls à avoir ce double type, c'est la famille Rattata d'Alola et y a qu'eux qui sont type normal, normal ténèbres. Bon après par contre une attaque combat et bye bye, mais d'ailleurs je crois qu'il y a une arène combat bientôt. La noix grume, vert. Je fais la collection comme ça j'aurai des Pokéballs gratuites chez Fargas quand j'aurai vol. Vampipoing. Oh putain, c'est fort ça. Ça a combien Vampipoing dans cette génération? 75. Putain, c'est fort en fait. Donc c'est que ce champignon, je verrai. Hein. Oups. Oh, il y a plein de dresseurs là. Bon, bah on va les faire. Hein. D'accord. Donc en fait, il faut que je me capture un Pokémon dans cette zone. Oh, il a un Tetart. Bluff. Faut que je change. J'ai un peu peur qu'il ait une attaque combat, même s'il n'est pas de type combat. Bon, non, il a Danse Pluie. Ça va, Danse Pluie. Quoique, il a peut-être glissade, non? Mon dieu, c'était quoi ces dégâts? Je sais que c'était un coup critique, mais ouïa, ça fait mal. Il a plus de continuer de tomber. Ratatak. Regardez les dégâts de Back Punch. Oula, ça fait faire mal ça. J'ai oublié qu'on était sous la pluie. J'ai rien dit. Sous la pluie, ça fait moins mal. Regardez les dégâts de Back Punch quand même. Qui normalement est une attaque qui n'est pas très très forte. Je crois qu'elle a 40 normalement de puissance. Ouh, Krabby. Sébastien, non. Ouh, il a abri. Je serais content d'avoir un Krabby. J'aime beaucoup Krabby. Je pense que les gens le sauront que j'aime beaucoup Krabby et Krabos. Les Sébastien. Mais bon. Les Pokémon que je préfère, mais. Oh, Nirondelle. Faut que je lance un dé. Mais je suis pas sûr que ce soit une nouvelle zone, donc faudra que je regarde sur le Pokénav. Être certain. 5. Bah putain, ça m'aide pas ça. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans à part des hirondelles? Des D'accord. Ah, non. Mais what? Pourquoi? Mais what the fuck? Intimidation. Il est rapide ce con. Au revoir. Je vais mettre Champignon devant. J'ai à refaire des combats après pour entraîner, mais dans un autre épisode. Là, je pense que je vais capturer, je vais rentrer dans la ville et ce sera tout pour cet épisode.
Donc c'est le troisième Etara t'attaque, au revoir. Ce qu'il a fauchage ce Pokémon, donc c'est cool. Encore! Le quatrième Etara t'attaque. Je pense... Non, on a vu que le critique ne jouait pas. Hein. Le Axe n'a pas joué. Oh oui, j'ai Del. J'ai déjà... Carnage, mais elle est d'elle, j'aime... Enfin, Nirondelle évolue en elle est d'elle, et j'aime beaucoup ce Pokémon. Parce que vous savez, j'aime beaucoup la troisième génération. Enfin, que je m'achète des Super Balls, hein. Voilà, allez hop. Bon, il va s'appeler Hello. Parce que c'est un mâle. Parce qu'en règle générale, les Ledel, quand il est femelle, je l'appelle Ella. Je vais l'appeler Ello. Et voilà. Bon, et ben voilà, ce sera tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh non, il y a l'autre qui me parle. Blablabla, je vais juste blablabla, il est au phare. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Bon. Allez, mais putain, les animations qui mettent 3 heures. Bon, et bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, waka, waka.